Kreuzberg. Et troisième de Paris-Tour, Benoît Cosnefroy, champion du monde. Espoir 2015, on retrouve également Geoffrey Bouchard. 2019, l'ovation à Romain Bardet que nous retrouvons au départ. Allez, tout le monde est en l'air, on applaudit plus fort encore. Romain Bardet, donc avec José, comment vas-tu? Ça va, très content de revenir à la compétition sur une belle course avec un beau public et un temps aussi pour le pays. Voilà, et tu l'avais fait tout jeune, je crois, t'avais 21-22 ans. Oui, je t'ai dit, je mets les premières années pro et c'était bien connu pour les Ardennaises après, donc on va essayer de t'appareiller aujourd'hui. On te le souhaite. Tu tenais à être là, puisqu'un Normand est chez lui, et puis surtout l'attachement que te portent les Normands. Tu coupes après Paris-Camembert ou tu enchaînes? Non, du coup là j'ai un peu coupé avant, on va dire, j'ai fait une semaine tranquille avant, et puis là je vais enchaîner avec le Tour du Finistère, et puis les classiques Ardennaise, Alpes-Cholonne, Liège-Bastogne-Liège, donc un beau programme, et la coupure, la vraie coupure sera pour début. Voilà, on a deux mots à dire tout simplement, bravo et merci. Bonjour Romain, merci de votre présence sur Paris-Camembert, ça nous fait vraiment super plaisir. Bonne route. Merci.
expectations. Black holes and revelations, and our hopes and expectations. Black holes and revelations. Quelle course et quel vainqueur? Ah, quel vainqueur, oui, champion du monde espoir. Et la course qu'il a faite du premier au dernier kilomètre. Il a fait dans le final, disons Tortizembert, la Varinière, la Becquière, et deux fois dans les Fondis. C'est super génial. Et je remercie mes collègues du bureau qui m'ont forcé la main à faire ce final. Moi, je trouvais un petit peu chahuteur. C'est un beau final. Ah, je crois qu'il faut le garder. Hein. Il faut le garder parce qu'il y avait du monde partout. Et le site d'arrivée... Faut le garder aussi. Faut le garder aussi. Je crois qu'on peut l'applaudir aussi fort que l'exploit qu'il a réalisé aujourd'hui. L'ovation de tout un public à Benoît Costefroy, champion du monde 2017. Allez, tout le monde est en l'air pour Benoît Costefroy et Bip. Et Bip. Et Bip. Donc... Benoît sur le podium et mon cher Patrick, il va recevoir les félicitations. De monsieur Renaudot, donc directeur de l'unité de production de Sainte-Cécile qu'on retrouve et qu'on peut applaudir également avec le groupe Le Petit. Voilà, et il a la silhouette d'un coureur et le bouquet remis. Regardez Isabelle comme elle a envie de l'embrasser, le petit. Hein, le petit. Ah ouais, c'est normal, le petit, pareil comme Ambert. Bon, je la referai pas. Hein. Voilà, Benoît Costefroy, on va rapidement. Alors, Benoît, on a dit que tu étais un homme, un truc de fou aujourd'hui. Vraiment, j'ai une journée pleine comme ça, d'autant plus que tu as eu quelques frayeurs parce que tu avais chuté à la route à Delhi de Vitré. Tu avais l'esprit aussi conquérant ce matin, tu avais prévu ou c'est les jambes qui ont décidé? Ouais, j'avais pas forcément prévu me lancer dans un raid comme ça, mais
Mais voilà, c'est vraiment le plaisir d'aller devant. Je pense que je me serais fait engueuler par mon directeur sportif si je gagnais pas aujourd'hui, mais voilà, le plaisir et au final ça a marché. J'ai dit à Quentin Joragui, est-ce que tu me permets de ressortir dans le final? Il m'a dit allez, vas-y, et du coup j'ai tenté ma chance et ça a réussi. Enfin, c'est dingue. Eslov, ouvre la bouche. On est désolé pour vous, vous n'aurez rien. Hein. Ah oui, vous êtes trop loin. Ah, c'est bon ça. Voilà. Là, ça va faire du ménage. Benoît Costefra sur le podium. Et voilà. Et hop là. Et je disais que les caméras n'aiment pas... Qu'est-ce que tu as envie de dire au jeune vainqueur de Paris Camembert le Petit, qui te succède au palmarès, entre autres? Oui, bah, simplement félicitations. Hein. C'est vrai qu'aujourd'hui, je pense qu'ils ont fait une course remarquable. Benoît a eu l'audace de ressortir à 60 km de l'arrivée, rentrer sur le groupe qui était parti dès le départ. Voilà, ça m'a rappelé des souvenirs, parce que c'est comme ça que j'avais gagné en 2012. Mais après, voilà, j'ai vu qu'ils étaient quand même costauds tous les deux. Et puis Benoît a bien œuvré. Ils avaient Quentin qui était plus rapide au sprint. Benoît a anticipé tout ça. Et puis derrière, ça s'est un petit peu marqué. On s'est regardé et puis c'était trop tard. Voilà, maintenant les récompenses pour Pierre-Luc Perrichon. Voilà, donc avec Monsieur Leroux, donc maire de Pont-Audemer, et Monsieur Guillemot, maire de Livaro, qui remettent le trophée au deuxième de l'épreuve, avec également Angélique qui va lui remettre le bouquet. Voilà, donc voilà le sac, le fromage le petit, le camembert le petit, le magnum de champagne. Et le coffret également du terroir. Eh ben dis donc, Pierre-Luc Perrichon, il se dit c'est quand même mieux là qu'à Saint-Yor. Hein, mon bonhomme? Voilà, vous montez tous les deux sur le podium, la bise, et on va accueillir le troisième. Alors, je peux vous dire que le troisième bonhomme, Quentin Joragui, avec Benoît Costefroy, voilà les deux hommes heureux, bien évidemment, de la course qu'ils ont. Voilà, pour Benoît Costefroy, Pierre-Luc Perrichon, Quentin Joragui. Allez, le public, on les applaudit très très fort. Voilà, entouré des deux maires, Monsieur Leroux, donc pour Pont-Audemer, Monsieur Guillemot, donc pour Livaro, l'arrivée là, et c'est génial, on s'est régalé, un public énorme, beaucoup de monde, bravo tous les trois, bravo Benoît, bravo Pierre-Luc, bravo Quentin, et continuez de nous régaler. Part de Paris, Camembert, les gourdes de Line, du Verrier, les mollets sur la petite raide, brille au soleil, lisse et joyeux. Dans la course de Paris, Camembert, les bras qui fument, les femmes exultent. Dans le peloton claquent les bidons, et chavez belle pour les champions. Paris, Camembert, la tour Eiffel se met au vert. Les cyclistes sont à la fête quand la roue tourne, tourne, tourne. Sous le regard des vaches à l'air.